you mm. Excellente nouvelle. Notre MVP rencontre un énorme succès parce qu'on a pas mal de visiteurs qui utilisent notre application pour trouver leur spatio train pour aller sur Mandalore. Euh, par contre c'est peut-être un peu victime de son succès quand même, parce qu'il y a pas mal de gens qui se pointent au spatioport seulement pour qu'on leur dise que les spatio trains sont déjà pleins. Je me demande qui a eu cette brillante idée de faire un MVP qui n'affiche que les prochains spatio trains départ sans la possibilité de les réserver. Hein. Que de mauvaise foi, fallait bien commencer quelque part et on a atteint toutes les OKR qui concernent le nombre d'utilisateurs. Donc, euh, effectivement, il va quand même falloir qu'on implémente maintenant cette fonctionnalité de réservation et je me disais pour ça qu'on pourrait déjà réfléchir un petit peu sur le front. Donc là, on a les allées et les retours qui correspondent à une recherche. Euh, je me disais qu'on peut peut-être commencer quelque part par. Oh, tu parles trop. Alors, comme je savais que tu avais fait de mauvais choix pour l'MVP, MVP, j'ai déjà en fait implémenté la fonctionnalité de réservation et elle tourne en prod. T'as fait quoi Bon. Oui, et tu vas voir que ce n'était pas si difficile à faire. Je vais te faire une petite démonstration et tu vas voir que ça fonctionne vraiment très bien. Donc, ça, c'est notre front. Donc, ça, c'est notre formulaire de recherche. Ouais, enfin, ça va, tu n'as rien touché en fait. Ouais, c'est normal, euh, ça vient après les modifications que tu me laisses présenter. Ouais. D'accord Donc, ici, on peut toujours choisir entre on veut faire un aller simple ou un aller-retour. Et on va dire qu'on part de Coruscant et on veut aller à Mandalore. Oups, voilà. Sauf que maintenant, quand je vais appuyer sur Search, je vais avoir les allées et les retours, mais seulement les allées. Mais tu peux voir que maintenant, pour les... on a des tarifs à sélectionner, faire en anglais. Donc euh, les utilisateurs et utilisatrices peuvent choisir entre first et second. Et si je clique sur first, et bien ça va peupler ma sélection à droite avec le tarif sélectionné. Ouais, enfin, as juste surtout déployé un truc qui fonctionne pas en prod, parce que regarde, on peut même pas cliquer sur ton bouton book. Tu fais exprès J'aimerais te faire un aller-retour. Donc, il faut que je sélectionne le retour. C'est pour cela que tu vois là, la UI, elle a changé avec les retours. Et tu que deux pauvres retours pour ta recherche, là, à sauter de pointe Oui. C'est les seuls qui sont compatibles. Mais tu peux me laisser faire la démo D'accord. Hein euh, donc tu vois, là si je sélectionne le second tarif, enfin seconde classe pour le retour, maintenant ma sélection est complète et je suis en capacité de réserver. Donc j'appuie sur Book et là la réservation est faite. J'ai une, une page récapitulative avec tarif sélectionné première classe pour l'aller, seconde classe pour le retour et le prix total qui inclut les taxes. Bah, je te félicite, tu as réussi à faire du code qui compile, c'est déjà pas mal. Par contre on va quand même faire une revue de code. Hein. Alors ça fait plus que compiler, ça marche. Mais ok, je vais te montrer le code. Bravo la confiance, mais laisse-moi d'abord check-outer ma branche BBOM. BBOM Pourquoi t'appelles ça BBOM Best Back-end of Mandalore. T'es sûr que c'est pas plutôt Big Ball of Mud Attends, regarde. Là, on est d'accord que t'as qu'un seul domaine. Et dans un seul domaine, t'as à la fois Booking et Search. C'est deux agrégats différents, donc ça fait beaucoup trop de responsabilités. Euh, ils ont même pas du tout le cycle de vie parce que le Booking arrive après la Recherche. Non, attends. Quand c'est ça, après la Recherche quand c'est ça, clairement, faut partir sur des microservices. Non, mais tu malade. Attends, tu connais même pas le code, tu es déjà en train de me parler d'une architecture hype que tu as vue à la conférence que juste avant, là. This is mais, the way. Mais, mais non, pas d de n'importe quoi. T es, t es, regarde, Search et Booking sont beaucoup trop couplés, ça n'a aucun sens. Et puis, regarde, le Booking, ici, ne fait qu'une seule chose. Calculer le prix total, ça mérite pas un microservice à lui tout seul. Euh, il ne fait qu'un seul truc, mais il le fait clairement très mal, là, regarde. Pour calculer le prix total de ton booking, tu viens additionner pour chaque Space Train, le prix de ton premier tarif. Comment ça le prix de ton premier tarif Ça veut strictement rien dire. Bon. Je vais t'expliquer. Tu sais que je suis un mandalérien 10x. Ça donc je sais comment coder vite, tu vois. Donc tu vois, ici, ça utilise le Space Train. Oh, ça, ça va être un peu plus difficile avec le micro. Oui, je veux bien, merci. Et donc, en fait, ce truc-là, on l'avait fait pour la recherche. C'est pour cela que dans mon Space Train, j'ai une liste de tarifs. Tu te rappelles, first, second class. Quand je me mets à faire la fonctionnalité de réservation, bah, j'ai besoin aussi de représenter un Space Train. Mais là, il n'y a qu'un seul tarif dedans. Je me dis, je vais pas réinventer la roue. Je peux juste utiliser celui-là en faisant une toute petite adaptation, qui est que bah, dans le cas du booking, j'appelle first parce que dans la liste, je suis sûr d'en avoir qu'un seul. Et là. J'ai fait euh, tout un tas d'économies de fric de la boîte, et ça marche très bien. Tu peux appeler ça euh, « safely », tu dis enfin, euh, avec sécurité Tu es sûr que tu vas pas juste exploser ton application parce qu'il y a, par exemple, deux tarifs dans ta liste, ou même peut-être zéro Non, mais je t'explique. Là, en fait, je t'ai pris pour un Mandalorian 10X, c'est juste que je fais 90% de ton taf, OK Donc, euh, comme tu l'as dit, Space Train, il a été développé pour la recherche. Si tu le réutilises pour la réservation, en fait, ça s'appelle une tension de modèle parce que tu utilises juste quelque chose qui n'est pas du tout adapté. Euh, donc en fait, réfléchissons un petit peu plus tôt à qu'est-ce qu'on ferait si on utilisait une solution pour le problème de réservation et pas pour le problème de recherche en soi. Donc, on serait dans un microservice de réservation. À quoi ressemblerait le Space Train Déjà, on d'aller au retour, on s'en fiche. Compatible Space Train, on a déjà réservé aussi, on s'en fiche. Faire, tu as déjà sélectionné ton tarif, tu n'as pas besoin d'une liste. Et on en aurait donc qu'un seul. Ensuite, tout ce qu'il y a à l'intérieur de ta classe ici, euh, c'est lié à des trucs qu'on vient de virer. Donc c'est pareil, on s'en fiche. Donc dans le cadre de ta réservation, ton space train, il est beaucoup plus simple, il n'a pas besoin de ton information. Et plus important, tu peux avoir une seule fer. Donc là, tu as une vraie sécurité structurelle. On se débarrasse de cette tension de modèle. Et maintenant, tu as deux modèles qui sont découplés. Donc si je comprends bien, on va aller dupliquer tout le code. De du soft là pour faire des microservices juste pour simplifier une seule ligne de code ici mais ça va pas. Non, je te confirme que tu comprends pas donc je vais te faire un petit dessin quand même. C'est pas une question d'une ligne de code, c'est une question de modèle. Là, tu vois, c'est le big ball of mud que tu viens de nous pondre, ton monolithe spaghetti. En fait, dans ton monolithe spaghetti, tu as aussi un deuxième modèle implicite qui existe pour la réservation qui vient réutiliser les mêmes concepts, les mêmes modèles mais en les tordant et en essayant d'en faire des trucs chelous pour pouvoir faire fonctionner ta réservation sur un modèle qui n'est pas adapté à ça. Donc si tu veux que ça fonctionne, on duplique ces concepts, on les spécialise dans un vrai modèle de réservation, dans un microservice dédié. Et là, on aura réussi à découpler tout ça. Dis-moi, architecte, toi Ça se voit, ouais. Bah oui, parce qu'avec vous, euh, on a toujours des beaux schémas qui compilent sur le papier, mais en prod, c'est une autre réalité. Hein. C'est un cliché, ça. Bah, pas du tout, je vais te le montrer avec le code. Enfin, si tu spoil pas. <laughs> Donc, ok, si j'ai bien compris ce que tu veux nous faire faire, c'est dupliquer le code et le spécialiser euh, dans le cas euh, du booking. Okay Donc là, tu l'as fait avec Space Train. Le concept d'après, c'est schedule. Tu peux m'expliquer comment ça, tu vas le, du, le spécialiser euh, Alors, on a départure. Bon, ça, ça change pas. Hein. L'heure de départ, l'heure d'arrivée, ça ne change pas non plus. La durée entre l'heure de départ et l'heure d'arrivée, ça ne change pas spécialement Tu vas toujours devoir eh t'assurer que ton heure de départ est dans le futur parce que tu n'as pas trop envie de réserver des trains dans le passé et que l'heure d'arrivée de ton spatiotrain est après son heure de départ parce qu'il me semble au grand architecte qu'on n'a pas encore inventé le voyage dans le temps. Bon, on devrait survivre, il y aura une classe qui sera la même dans nos microservices. Alors, ce n'est pas une classe parce que tu vois, il y a un truc que tu connais pas parce que je crois que la dernière fois que tu as écrit du code, c'est dans les années 70 c'est en fait euh, les tests. tu vois Donc il va falloir dupliquer tous les tests. Épargne-moi ton ironie, tu tr as très bien compris ce que je veux dire. C'est deux concepts qui sont les mêmes dans les microservices. Alors attends, ce n'est pas un concept, c'est exactement tout le reste de l'application. Je vais te montrer. Alors tu vois ici, on a faire le tarif. Qu'est-ce qu'on a dedans Confort classe. On a first, second, ça va venir bleu et vert dans la réservation peut-être Non, naturellement non. Euh, non, effectivement. Ensuite, price. On a amount, currency dedans. Donc montant, devise. Je suis quasiment sûr qu'on veut les deux à la fois dans la recherche et dans la réservation. Ici, tu peux on peut voir que euh, lorsqu'on somme des prix, on s'assure qu'on mélange pas des choux et des carottes, en s'assurant que c'est sur la même devise qu'on fait les sommes. Je crois qu'aussi ça, on a envie de le garder dans le booking. Currency, qu'est-ce qu'on a Liste de devise. Peut-être que ça va changer entre le, la recherche et le booking Non. Et qu'est-ce qui nous reste Le Mount qui ne fait qu'une seule chose, s'assurer que la valeur est strictement positive, mais peut-être que monsieur veut que ce soit négatif dans le cas du booking comme ça on paye nos utilisateurs pour voyager avec nous, super campagne marketing des microservices. Bon, ça va, j'ai compris, il y a de la duplication, je sais, c'est un peu relou, mais c'est juste le prix à payer si on veut avoir du découplage. Mais c'est pas le prix à payer, en fait, tu es en train de multiplier tous les coûts de développement parce que en fait, vous là les fanboys de microservices, vous faites toujours la même erreur. Vous pensez que parce que on a dupliqué du code, on a gagné en découplage et en isolation. Mais, mais, mais c'est du papier, ça. Ok. Parce qu'ici, en fait, schedule, price, comfort, class, et conceptuellement, fonctionnellement, c'est toujours exactement la même chose dans les deux cas. Donc tu ne peux pas être sûr que dans le futur, on va être amené à faire une fonctionnalité qu'on va devoir mettre de chaque côté. Par exemple, les time zones galactiques, tu sais que c'est hyper chiant à développer. J'avoue que ça, sert assez relou quand même. Et tu as vraiment envie qu'on le fasse deux fois avec tous les tests, dans le schedule de la search et dans le schedule du booking bon, Ça en particulier, c'est vrai que c'est compliqué. Bah oui, mais donc en fait, c'est pas parce que tu as dupliqué que tu as découplé, parce que les choses ici sont conceptuellement couplées. Et tu me trolles parce que, soi-disant, j'ai fait un monolithe spaghetti. Mais aujourd'hui, mon booking et ma search sont fortement couplés. Quand ils veulent communiquer ensemble, ils le font à travers d'appels de méthode. T'en fais des microservices, ils communiquent comment ensemble bah, sur le réseau. C'est le même coût qu'un appel de méthode Non, mais. Ah non, voilà. <laughs> Donc ça va être plus cher à développer, à déployer, à débugger. Donc tu vois, tu mets au tous mes coûts d'échelle. Parce que ce qui se passe en plus, c'est comme ils sont conceptuellement couplés. Je fais Galactic Time Zone dans le schedule de la search. Je suis obligé de faire la même chose dans le schedule du booking. Et je suis obligé de réaliser deux microservices ensemble. C'est permis ça dans la philosophie des microservices This is not the way. Ah non, effectivement, parce que on a créé un truc pire que le monolithe spaghetti, c'est un monolithe distribué. Bon, OK. J'avoue que là en particulier, on a quand même beaucoup de complages entre nos deux microservices, donc ça va pas fonctionner. Mais je pense que c'est uniquement parce qu'on n'a pas réussi à bien découper et à trouver la bonne frontière entre les deux. Non, c'est pas ça. C'est parce qu'on est en train de diviser en services trop tôt. T'as aucune confiance, je te dis. J'ai une meilleure méthode. On va pouvoir bien limiter les responsabilités et voir qui fait quoi. Ah ouais Et comment tu vas faire ça Eh ben, je vais faire appel au stagiaire. Ah non, pas lui. Non mais attends, non mais fais pas ça. Il va pas être capable de le faire. Et puis je vois pas l'intérêt. L'intérêt, c'est de toute façon, faut qu'on supervise son apprentissage. Et l'intérêt, il est simple. On lui donne toutes les tâches qui sont un petit peu répétitives et reloues, et nous on fait les trucs fun. Du coup, on lui donne le code à écrire, et nous on écrit des Jira en estimant user story Point. On peut faire de l'uml aussi, si tu veux. De l'uml. Ok, chat PO. Bonjour. En quoi puis-je vous être utile Split les domaines, droïde. Sur quels critères devrais-je prendre une décision aussi cruciale Devrais-je laisser le hasard décider ou peut-être chercher conseil auprès du dernier droïde Arago Pourquoi ne pas utiliser cette bouillie organique que vous appelez un cerveau ah, Je l'aime bien en fait. <laughs> pas moi <laughs> non, mais il a raison, si jamais votre bouillie organique il vous sert de cerveau. Oui, et puis t'es l'expert en, en bouillie, vu ce que tu nous as pondu, je suppose. Ça suffit. Ok. J'avoue que tu marques un point sur un truc. Peut-être qu'il y a trop de couplage dans ce que je suis en train de faire. Et c'est vrai que les cycles de vie entre la recherche et la réservation ne sont pas les mêmes. Qu'une fois qu'on a converti une recherche en réservation, on s'en fout de la recherche. Enfin, elle ne sert plus à rien. Un utilisateur, une utilisatrice a tendance à faire une recherche sur, ça lui sert quelques minutes, alors qu'une réservation, ça peut se faire trois mois à l'avance. Effectivement, peut-être qu'on pourrait trouver une manière de mieux modulariser ce que j'ai fait et que le problème qu'on a eu là, c'est qu'on a tenté de diviser à travers les concepts et peut-être que ça marcherait mieux si on le faisait via les comportements. Bah c'est vrai que pour faire du domain driven design, this is the oui. Alors, tu fais bien le, la perche. <laughs> Je rigole. Donc aujourd'hui, nos comportements, ils sont dans... Euh... <laughs> Ils sont dans Mandalore Express qui est notre domaine service. Et qui s'appelle Mandalore Express parce que c'est le point d'entrée de notre application. <rire> Désolé. <rire> Effectivement. Et tu peux voir qu'en fait, ce domaine service il implémente plusieurs interfaces qui correspondent aux fonctionnalités de notre domaine. D'ailleurs, Retrieve Spaceport, Search for Space Train et Select Space Train, ça je les connais, c'était pour la recherche. Exactement. Et en fait, je viens de rajouter Book Space Train qui est la fonctionnalité de réservation. Donc ces trucs-là, on va regarder ce que c'est, on voit que ce sont des interfaces donc, qui portent les contrats de nos fonctionnalités du domaine, ils sont tous en fait, qui s'appelle API, au plus haut niveau du domaine. Ok, donc on a juste à diviser autour de ça et répartir les différentes interfaces entre nos deux microservices alors, ce que je te propose de faire, c'est <coughs> que pour. Euh, on va essayer de le faire sur place d'abord. On va essayer d'avoir deux modèles différenciés et s'assurer qu'ils ne sont pas conceptuellement couplés. Sinon, on risque de tomber dans le problème du monnaie distribuée. Ok, si tu veux. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est de dispatcher ça maintenant dans deux modèles différents. Et donc, ce qui va, nous va potentiellement nous dispatcher aussi l'implémentation Mandalore Express. Mais ce qu'on peut voir, c'est que Mandalore Express a aussi des euh, dépendances comme la Meripository. Comme bookings que je viens de rajouter pour Bookspace Train. Donc ça c'est la couche d'accès en fait à la persistance. Donc ça c'est des interfaces aussi, c'est ça Effectivement. Alors ce que j'ai dit c'est que ça, hop, c'est utilisé que dans le cas de Bookspace Train. Et tu as raison, ce sont des interfaces parce que là je suis en architecture hexagonale, mais elles sont toutes ici dans la SPI. Donc SPI, c'est vraiment les interfaces que mon domaine va définir, mais qui sera implémentée par mes couches d'infrastructure, notamment là la partie persistance qu'on ne verra pas. Donc maintenant qu'on a fait ce découpage, je pense qu'on peut découper mon Allure Express dans deux modèles séparés. Ouais alors, renommons moi quand même, parce que Mandalore Express, deux fois, ça va être un petit peu confus. On peut l'appeler genre euh, Space Train Booker dans la, pour euh, le booking. Ok, bah alors, et Space Train Finder dans la recherche Alors, chat 3PO, crée-nous deux nouveaux euh, domaines, enfin modules, module, quoi, package, qui s'appellent Booking et Search, et fais le split de Mandalore Express qu'on qu vient de te donner. Un autre jour, une autre chance d'éblouir l'univers avec mon génie. Il est en mode vocal, lui c'est pratique, mais tu vois qu'il est un peu pédant. <laughs> enfin, bref. Et là, on peut voir qu'on n'a plus API et SPI. Ça a totalement disparu. Mais il nous a bien créé Booking et Search. Et là, j'ai un domaine Booking dans lequel j'ai l'API du Booking avec Book Space Train. SPI, c'est ses dépendances. Donc, c'est en fait Bookings pour repository de Booking. Et puis, Space Train Booker, qui est Mandalore Express, nettoyer des responsabilités de la Search. Côté Search, qu'est-ce que j'ai les API de la search qu'on avait identifié, les SPI de la search qu'on avait identifié, et Space Train Finder qui est Mandalore Express, mais cette fois-ci nettoyé des responsabilités du booking. Ok, bah, je pense qu'on a fini pour les comportements, donc on peut peut-être s'attaquer aux concepts. Et euh, bah, commençons par le plus évident, on a Booking et Search déjà. Oui, donc ça on pourrait les mettre dans leur propre domaine. Donc chaque 3 PO bah, met Booking et Search dans leur domaine. Oh, joie Une autre tâche palpitante pour mon répertoire infini de compétences. Et pas un but de lui-même, lui. lui hein. Donc, on voit qu'ici, on a pu booking et search, et ils ont été répartis dans leur domaine. Donc là, je suis dans le domaine de la search, et search, booking dans le domaine du booking. On peut voir aussi que euh, on a tout un tas de concepts là préexistants comme criteria, sélection, etc. Et on va se demander où ça va aller. Mais pour le découvrir, ce que je te propose de faire, c'est qu'on parte de nos agrégats, nos concepts principaux. Donc le booking. On va voir de quoi ils ont besoin et comment on répartit les choses. Ok, bah pour le booking, ça commence avec le Space Train et ça tombe bien parce que ça, je t'ai déjà montré comment on pouvait le spécialiser dans le cadre de la réservation. Donc, si je, si je me rappelle bien, tu veux qu'on en fasse une copie pour le booking Donc, Chat3PO, euh, duplique et spécialise Space Train de telle manière à ce qu'on n'est pas bound, euh, pas les compatibles Space Train, mais qu'un seul tarif, donc une seule fer dans le cas du booking. Les organiques ont-ils vraiment des doigts oh, Toi, continue comme ça, tu vas voir les miens d'assez près. Hein. On n'a pas le droit de frapper les droïdes. Alors, voyons ce qu'il a fait. Donc, on avait un space train qui était ici, là, dans l'espèce de tronc commun euh, historique. Il n'y est plus. T'es pas obligé, <laughs> t'inquiète pas. <laughs> et on a un space train dans le search qui correspond à ce qu'on avait avant. Ce qui est totalement logique puisqu'il avait été fait pour la recherche. Et j'espère pour lui qu'il m'a créé un space train dans le booking, oui, et qui correspond à ce que tu nous avais montré. Parfait, donc on a pu résoudre notre tension de modèle dans le booking. Voilà. Sauf qu'en fait, ça compile même pas. Je vais m'en sortir. Oui. Bon, alors Chat3PO, première chose, quand on fait du code, le mieux c'est qu'il compile. Et ensuite, on est en train de faire tout ça justement parce qu'on essaie de se débarrasser de cette tension de modèle en particulier. Et donc d'avoir une vraie sécurité structurelle sur le tarif. Je vais lui faire un petit schéma parce que je pense que sinon on va passer beaucoup de temps à répéter les mêmes choses. Donc. Chat3PO, on accepte déjà pour commencer que les responsabilités entre la recherche et le booking ne soient pas totalement claires. Pour essayer de mieux trouver la division, on va passer par les comportements. Les comportements, ils sont implémentés dans notre domaine service qui est Mandalore Express. On le divise en deux, entre Space Train Finder dans la recherche et Space Train Booker dans le booking. Ça met en évidence que des concepts sont utilisés que d'un côté ou de l'autre, donc en l'occurrence search ou booking. On va pouvoir les mettre chacun dans leur propre domaine. Ensuite, on peut voir que, en fait, ils vont utiliser chacun Space Train, mais de manière complètement différente. Pour la recherche, un space train doit avoir plusieurs tarifs parmi lesquels choisir. Pour le booking, un space train a déjà un seul tarif qui a été sélectionné. En plus d'avoir pas mal d'informations dans Search dont on ne veut pas dans Booking. Donc on duplique et on spécialise de chaque côté. D'ailleurs, ça me fait penser aussi que l'attention de modèle se cristallise réellement autour de l'affaire. Parce que pour la recherche, c'est plusieurs options tarifaires parmi lesquelles on peut choisir. Pour le booking, c'est un tarif sélectionné. Donc on peut peut-être. Euh, dupliquer ça en le renommant Fair Option et Selected Fair, même si c'est le même code, en fait, c'est pas exactement le même concept. Ok, pourquoi pas Alors, <laughs> donc, euh, aujourd'hui, l'affaire, elle est dans le tronc commun ici, et si je comprends bien, tu veux qu'on euh, spécialise ça en le renommant Donc, euh, chat 3 PO, euh, duplique et spécialise faire dans chacun des domaines, mais renomme-le Fair Option dans la search et Selected faire dans le booking. Je commence sérieusement à m'ennuyer. Si tu t'ennuies en faisant ça, on va t'envoyer en PI Planning, toi, tu ne vas pas comprendre. On n'a pas le droit à ça non plus, c'est considéré comme de la maltraitance même pour les droïdes maintenant. <laughs> Alors, donc on n'a plus le faire ici dans, dans le tronc commun, on a bien un faire option dans la search et euh, une sélective faire dans le Booking. Après, ce qui est marrant, c'est qu'on peut se dire ça a la même structure, donc pourquoi c'est des concepts différents bah, C'est comme si on avait une classe chien avec un nom et une classe humain avec un nom, on n'a pas envie de traiter ça de la même manière, même si c'est la même structure. Enfin, en TypeScript, on peut, mais oui. c'est différent. C'est pas parce que ça fait coin-coin que c'est un canard, je suppose. On peut voir déjà aussi euh, l'impact sur Booking Oui, exactement, parce que en fait, avec ce renommage, on peut voir que maintenant c'est devenu un petit peu plus idiomatique parce que pour calculer le prix total, on va additionner le prix des tarifs sélectionnés. Ok, euh, qu'est-ce qu'on a ensuite Alors ensuite, le concept d'après, bah, c'est Schedule, qui lui, pour le coup, comme je te l'expliquais, va devoir rester la même chose dans les deux cas. On tourne un peu en rond, en fait, non Mais j'ai peut-être une solution pour ça. Tu penses à quoi Qu'est-ce que tu dirais d'utiliser un concept du domaine driven design qui s'appelle un charte kernel Bah j'en dirais que non. Parce qu'il va falloir qu'on partage du code si on veut faire un shard kernel et on ne peut pas partir sur des microservices en partageant du code, ça n'a aucun sens. Bah c'est exactement ça, c'est qu'on ne va pas faire des microservices. On vient d'avoir cette discussion, tu vois bien que ça rend le code beaucoup plus idiomatique. Alors, ce n'est pas ce qu'on a dit. <laughs> ce qu'on a dit, c'est que si on arrivait à avoir deux modèles qui sont conceptuellement découplés, on ira peut-être faire des services séparés. Mais là, je te l'ai montré en fait schedule et puis tout le reste là. Amount, Comfort Class, Currency Price vont rester exactement la même chose. Donc on ne peut pas avoir quelque chose de découplé. Donc on va faire un monolithe modulaire en créant un Shared Kernel et tu vas voir que ça va nous permettre d'être assez flexible sans payer le coût à l'échelle des microservices. Ok, bah vas-y, je te laisse me montrer. T'es sérieux là <laughs> Ok, je fais la tronche. Bon bah, Chart 3PO crée un, un chart kernel au même niveau que Booking et Search et met tous les concepts qui sont exactement les mêmes dedans en fait pour euh, dans les deux cas. Comme si je n'avais rien de mieux à faire. Il a d'autres tâches Non non non. En fait, il est en train de nous troller. T'inquiète pas. Donc tu vois là, on a Booking, on a Search, on a le chart kernel et on peut voir que dedans il a mis tous les concepts qui sont exactement les mêmes dans les deux cas. Ce qui fait que si tu suis ou euh... non mais euh, d'ailleurs t'as pas été au bout de ce que tu étais en train de faire parce que regarde là tu m'as laissé le critérium ici mais attends j'ai pas fini <laughs> tu suivais vraiment pas en fait je sais pas ce que tu fais avec ton cher de carnet. Hein. vas-y ne t'inquiète je pas là <laughs> c'était normalement c'était prévu mais bon il est allé trop loin <laughs> En fait, tu vois que le space maintenant qu'on a mis les choses dans le shard kernel, on a un space train de la search qui dépend du schedule qui nous vient du shard kernel ici et le space train du booking, lui, hop, eh bien dépend aussi du schedule qui vient du shard kernel. Ce qui fait qu'on n'a pas fait de duplication non nécessaire et on a mis tous les tests eh bien au même endroit sans tout avoir codé. Oui, enfin, je vois que tu n'as toujours pas résolu le point que j'adressais, et t'as effectivement pas été au bout de ton problème, parce que tu as laissé Criteria ici, t'as laissé Spaceport, band, Selection... Non mais fais pas les choses à moitié De toute façon, est-ce que tu crois vraiment que je vois pas ce que tu es en train de faire Comment ça Bah es en train de me refaire ton Big Ball of Mud, c'est juste que tu le cales dans un dossier que t'as appelé Shard Kernel. C'est péremptoire ce que tu dis. C'est pas faux. Tu comprends rien à ce que je dis en fait. Tu comprends rien à ce que je fais même. Mais... Ok, je vais t'expliquer ça différemment. Donc, en gros, tu vois, si maintenant on va voir le booking et qu'on regarde eh bien, tous les concepts qu'il tire, on va voir que soit ils viennent du domaine du booking, comme le Space Train 6, qui a totalement du sens, ou du shared kernel, comme le prix, parce que le prix est exactement la même chose entre lui et la recherche. Maintenant, si on va voir du côté du Space Train, celui du booking, on voit qu'il utilise le schedule du shared kernel ou Selected Fair du booking. Selected Fair, lui, Dépend que des objets du shared kernel. Et là, on vient de parcourir tous les concepts utiles pour le booking. Et à aucun moment, tu as vu Criteria, tu as vu euh, Selection, tu n'as pas vu tout ça. Pourquoi Parce qu'ils ont été faits à la base pour la, share, la search. Si je mets ça dans shared kernel, je vais les mettre potentiellement à disposition du booking. Et on va retomber dans le problème que j'ai eu au début, que tu m'as reproché, qui était de réutiliser un space string qui n'avait pas été fait pour le booking. Exactement. Si on a une solution sous les yeux, en fait, qui est une solution à un problème différent, on va quand même être biaisé pour la récupérer et on va contraindre notre manière de penser à la réservation à ce qui a déjà été fait pour la recherche. Exactement. Donc en fait, ces trucs-là, si on les met dans le sherpel, on risque de coupler search et booking et créer un big ball of mud. Donc ce qu'on qu va faire, c'est que je vais demander à Chat 3PO de mettre tous les concepts qui restent, en fait, dans le search. Donc vas-y, Chat 3PO, fais-le. Ok, intelligent, fais ce qu'il dit. Je ne savais pas qu'Intelligent avait ce type de fonctionnalité. Je suis à peu près sûr qu'il ne l'a pas. Hein. Et là, tu vois qu'on finit avec un truc très pop qui est Booking, Search et le Shared Kernel. Euh, par contre, je n'ai pas bien vu exactement où étaient les différents concepts. Bah, je vais te faire un dessin, tu comprends que ça. Donc. En fait, on a vu qu'il y avait des concepts qui étaient exactement les mêmes dans les deux cas: amount, price, schedule, comfort class, currency, On les met de côté, et tout le reste, en fait, bound, criteria selection, n'était utile que pour le, la search. Donc, on les a mis là-bas. Et donc, ce qui est exactement la même chose pour les deux cas constitue euh, notre shared kernel, ce qui représente l'intersection entre nos deux domaines. Ça représente même, en fait, la zone d'incertitude dans laquelle on pense que la frontière entre nos deux systèmes se situera, mais on n'est pas déjà capable de la placer exactement. Exactement, ça contient l'incertitude en fait euh, de la frontière entre ces domaines, mais ça nous permet de garder en flexibilité. Pourquoi Parce que si on se rend compte plus tard qu'on a besoin de Criteria et Bound dans le Booking de la manière qu'ils ont été définis dans le Search, on est juste à les mettre dans les shards kernels avec le test sans duplication non nécessaire. Ok, c'est bien beau tout ça, mais en fait, euh, la pipeline elle passe pas parce que Space Train Booker ne compile pas. Bon, bah, allons voir ce qui se passe dans le code alors. Alors. Ok, il faut un space train du booking et Chat3PO n'a pas changé d'import, c'est un space train de la search, clairement. Ah, ouais, il a laissé tout ça, donc on va le copier-coller là. Bon, forcément ça change le constructeur parce que c'est pas la même structure. Donc on a dit bah on s'en fiche, compatible space train, on s'en fiche. Et ici en l'occurrence, il faut qu'on convertisse notre option tarifaire en tarif sélectionné. Donc tout sélectionné. on va s'en sortir, voilà. Ok, on voit ça en prod, chat3po. Attends, en fait, ce n'est pas les seuls imports euh, vers Search qu'on a ici. Regarde, là, on est carrément en train de dépendre directement de l'agrégat Search. S'il est ici, on est en train de se contaminer potentiellement avec tout ce qu'on a dans la Search, alors que là, on est dans le Booking. Bah, tu vois, c'est exactement pour ça que je n'avais pas euh, splitté ces domaines euh, au départ. Ils sont trop fortement couplés. Mais maintenant que j'ai le code sous les yeux, je vais pouvoir te donner la raison. Ici, tu vois que pour créer un Booking, <coughs> il faut d'abord que je vérifie que la sélection est complète à l'intérieur de la recherche. Donc, tu te protèges d'un état de la recherche qui ne permet pas de la transformer en Booking Oui. Et ensuite, tu vois, il va falloir que je récupère les euh, Space Train sélectionnés et les convertir vers le format des Space Train du Booking. C'est-à-dire que tu vas traduire un modèle de recherche en un modèle du Booking Tu as décidé de me paraphraser aujourd'hui Tu vois vraiment pas où je vais en venir Non. Ben, je vais te refaire un dessin. Donc. Comme tu peux le voir ici, tu nous as fait une belle dépendance directement de Booking vers Search, ce qui fait que tu, pollies, euh, tu pollues ton, le Booking avec des concepts qui viennent de la Search. Tout ça pourquoi Parce que tu essaies de traduire un Space Train de la Search en Space Train du Booking. Tu essaies de faire une Anti-Corruption Layer, en fait. Bah pourquoi tu m'engueules alors C'est une bonne chose. C'est une bonne chose si ça te permet de ne pas être corrompu par euh, le modèle qui est en face. Là, tu vois bien quand même que tu es carrément contaminé. Donc, si tu veux pouvoir te protéger réellement de la search, il faut extraire ton anti-corruption layer à l'extérieur de ton booking, là où elle peut importer ce qu'il y a dans la search sans venir te créer des dépendances. Et comment tu fais ça Eh ben c'est facile, tu demandes au stagiaire. Ok, chat3PO, extrait l'anti-corruption layer. Je crois qu'il ne reconnaît pas ton autorité. Hein. Ouais, je pense que c'est une question mandalorien. Non, je crois pas, je vais essayer. Chat3PO, extrait l'anti-corruption layer. Comment pourrais-je résister à l'opportunité de réaliser une autre tâche Un drap ou. Attendez une seconde J'ai implémenté une couche anticorruption, déplacé les tests et adapté l'infrastructure. Ouais, il est plus coopératif quand on sort la puissante de feu, hein, même si ça balance euh, des, des fléchettes en mousse. faut croire que Léa peut, compre euh, Léa, il peut comprendre la culture. Alors, mais qu'est-ce qu'il a fait du coup Parce que je vois que le code a pas mal changé. Alors, déjà, la première chose, c'est qu'il a viré les dépendances qu'on avait vers la search. Donc, ça, c'est pas mal, on n'est plus dépendant de ça. Et en fait, euh, on dépend uniquement du search ID ici, qui est un UID, donc une primitive du langage. Alors, c'est bizarre parce qu'il nous faut toujours vérifier que la sélection est complète dans cette recherche. Comment il va faire bah, Regarde, on le fait ici en fait. Et d'ailleurs, on fait toujours même la traduction d'un modèle vers un autre. C'est juste que maintenant, on dépend tout simplement d'une bah, dépendance qu'on nous injecte. Ok, mais c'est quoi ces trucs-là Alors, ça, e -selection complete. C'est une interface. Okay, mais elle vient d'où cette interface Elle est dans le SPI du Booking. Donc ça veut dire que le domaine du Booking définit un contrat que quelqu'un d'autre va devoir implémenter pour lui fournir ce service. Qui est ce quelqu'un d'autre Alors allons voir. Okay, il y a un nouveau truc qui s'appelle Search Selection for Booking. Et ça c'est ton ACL en fait. Parce que du coup ces SPI-là, elles ne sont pas implémentées par ta couche d'infrastructure. Mais par un autre module qui est aussi un module domaine en fait, mais qui est à l'extérieur de Booking et de Search et qui du coup peut se permettre à la fois d'implémenter les interfaces de Booking. Donc, il va importer les interfaces de Booking pour les implémenter et importer les concepts qui viennent de la Search pour pouvoir avoir le comportement. Donc, si je comprends bien, tout le mapping qu'on faisait à l'époque dans Space Train Booker, il le fait ici. Euh, il vérifie au passage si la sélection est complète. Comme, il, comme en fait en signature il dépend que des interfaces du booking, on va être capable de l'injecter dans le booking sans le polluer avec la search alors qu'il l'utilise en interne dans l'implémentation. Exactement. Du coup ça nous permet d'avoir tout simplement, comme on montrait, quelque chose qui est très découplé parce que l'anti-corruption layer vient protéger le booking. Euh, C'est bien beau tout ça par contre, mais qu'est-ce qu'on fait du shard kernel Parce qu'on va quand même pas se traîner ça indéfiniment. Bah, malheureusement, je pense qu'il va falloir qu'on apprenne à vivre avec parce qu'on n'a pas encore assez de. D'hypothèses pour savoir comment le répartir. Donc, on a un module modulaire, ça marche très bien, et puis il va falloir que tu attends un peu parce qu'on a une nouvelle fonctionnalité très urgente à développer. C'est quand la dernière fois qu'on avait une fonctionnalité pas très urgente à développer Bah, Tu connais les product owners. Hein donc, euh, en fait, ici, dans notre page récapitulative de notre euh, réservation, il va falloir qu'on affiche ici la proportion de taxe du prix total. Comme on ne l'a pas, aujourd'hui, c'est très embêtant pour nos voyageuses et voyageurs d'affaires qui ne sont pas en mesure eh bien, de faire leur note de frais. Oh, joie. Une fonctionnalité de taxe, c'est vachement fun. Euh, je te propose qu'on en fasse une opportunité d'apprentissage plutôt. Bon, on va essayer, mais je ne suis, casp... suis pas sûr qu'il soit capable de le faire. Donc Chat3PO implémente le calcul des taxes dans le booking en appliquant un tarif de 20% en première classe et de 10% en seconde classe. Et euh, t'amuses pas à toucher au shard kernel, hein, parce que sinon je te vends en pièces détachées à des Je crois que vous me prenez pour votre génie de la langue. Erreur. Instruction incompatible. Attends, il vient de planter là j'avais jamais vu un génie de d'alambes la faire ça. Alors il a dit c'est qui de faire Ouais, allons voir ce qu'il a essayé de faire dans Selecti de faire. Attends, il a encore écrit du code qui ne compile pas. C'est quoi ce droïde Ça compile pas, mais ce n'est pas complètement stupide pour autant. Parce que regarde, pour calculer la portion de taxe de, du tarif sélectionné, il vient calculer la portion de taxe du prix en fonction du taux de taxation de la classe de confort. C'est assez logique. Bon, allez, allons implémenter ça. Parce qu'il ne sait rien faire de toute façon. Bah, attends, parce que là, tu es en train de le faire à sa place, mais regarde. Il, a, il y a du code commenté en dessous qui a l'air d'être l'implémentation de ce que tu veux faire. Attends, je crois qu'il a vraiment commenté, le, enfin il a écrit le code en commentaire. Qu'est-ce que c'est ce bazar Écoute, on va lui faire confiance sur le calcul, je ne comprends pas pourquoi il fait ça, mais on a juste à faire les imports du coup. Euh, je pense avoir compris le problème, attends. Là, tu viens de me faire l'import de tax rate et de tax portion qui nous, vient du, euh, qui nous viennent du booking. Mais dans price... Qui lui fait partie du shared kernel. Donc ça veut dire qu'en fait, on vient de polluer le shared kernel avec des concepts du booking. Et comme Price est utilisé aussi pour la recherche, on vient de polluer la recherche avec le booking à travers le shared kernel. Et donc on vient de créer du couplage non nécessaire. Non mais c'est quoi ces IA pourries Ok, je ne de pas toucher le shared kernel. Euh, ça me semble assez clair ce qu'il faut faire quand on a une tension de modèle qui apparaît dans ce cas-là. Non mais je crois que même avec les IA, il va falloir rendre l'implicite explicite. Et ça, si tu as déjà joué avec mode journée, tu le comprends très vite. Donc en fait euh, avant d'aller plus loin, je pense qu'il faut regarder aussi pourquoi ça compile pas du côté de comfort Class. Donc on a vu ici, c'était là, je crois. Tac, ouais, ça compile pas non plus. Donc là, tu nous avais rajouté que Tax Portion off, mais j'aimerais savoir ce qui va pas là. Ah bah tu vois, en fait, il a encore mis du code en commentaire. On dirait qu'il a voulu faire un mapping entre la classe de confort et le tax rate. Sauf que là, tax rate ça vient du booking confort class et dans le shard kernel, donc exactement le même problème de pollution. Donc tu vois là, chat 3PO, dans ce cas-là, euh, tu peux pas laisser les choses comme ça. Tu es en train de créer une tension de modèle dans le shard kernel et nous coupler search et booking. Donc là, il faut que tu dupliques et spécialistes price et eh bien de telle manière à ce que le calcul des taxes n'existe que dans le booking. Je suis à peine plus utile qu'un scrum master. Quel gaspillage de talent. Alors, ça, déjà, c'est pas bien. On a dit pas les Scrum Masters et en plus c'est pas vrai ce que tu dis. Ah non je cautionne pas du tout ces propos. Donc voyons ce qu'il a fait Monsieur je troll tout le monde. C'est pas toi d'ailleurs qui a passé de ta certif <laughs> Je crois qu'il t'aime pas en fait. Euh, donc on avait dans Shirt kernel Price et de confort Class. Ils ont disparu et on devrait avoir maintenant une version euh, pas du tout ici. Euh, non merci. <laughs> en fait, c'est Chatbot qui essaie de me saboter. Merci. Donc dans la search, on a bien comfort class comme ce qu'on avait avant, sans tax rate et price sans calcul des taxes. Allons voir du côté du booking ce qu'il nous a fait. Et là, qu'est-ce qu'on a On a comfort class avec le mapping tax rate, donc c'est très bon. Et puis price avec eh bien le calcul des taxes qu'il a mis ici. Ouais, enfin avec une belle erreur de compilation aussi hein. Donc là, en fait, on peut pas juste multiplier un value object directement par euh, une primitive du langage. Donc là, chat3po, clairement, il faut que tu implémentes au moins la fonction times. Euh, ça va que l'implémentation est assez triviale. On retourne juste la valeur multipliée par le tax ratio. Allez, balance en prod. Ok, donc tu as dû faire en plus cette partie de code dans le mount parce qu'il a rien compris à ce qu'on a fait. Donc comme tu as l'air de rien comprendre du tout, euh, chat3po, eh bien, euh, je pense qu'il va falloir qu'on supervise ton apprentissage encore une fois. <laughs> on a rajouté une nouvelle <coughs> responsabilité. Dans le booking, qui est le calcul des taxes, qui nous a amené à créer de nouveaux concepts, tax rate et tax portion, qui vont forcer à price et comfort class à évoluer pour en de nouveaux comportements, qui est le calcul des taxes et puis une mapping structurel. Le problème, c'est que si tu me laisses ça dans le shared kernel, le chat 3PO, tu vas, me créer un, tu vas me créer des tensions de modèle qui vont scléroser et me refaire du couplage entre search et booking de manière non nécessaire et faire un big ball of mud. Donc, c'est-à-dire que là, il va falloir que tu dupliques. Et spécialise de telle manière à ce que Comfort Class et Price aient le calcul des taxes que dans leur version du booking. Bon, on a pas mal avancé, donc je propose qu'on ait faire une petite pause. C'est l'alarme incendie, hein Alerte Je pense général. pas. Non. Le dernier déploiement a introduit un bug en production. Nos voyageurs ne peuvent plus ouvrir de réservation dans le passé. J'ai pu reproduire le bug. Voici ce que ça donne dans l'application. Félicitations! Vous venez de démontrer que les organiques ne sont pas encore prêts à remplacer l'intelligence artificielle. Non, mais c'est toi qui as foré la mise en prod, de quoi il parle, lui? Quel drama droïde, je te jure. Alors, en fait, si je comprends bien, on n'est pas en mesure d'ouvrir un booking passé. Et ce qui est embêtant si on veut euh, euh, faire nos notes de frais. On a cette erreur-là avec des notre qui de pas. Je te propose d'aller voir dans le code où on retrouve cette erreur. Alors, s'il veut bien. Hop, merci. Départure notre Bin de Past. A priori c'est le schedule. Ah bah oui, on a un invariant qui vérifie que les départs est après l'heure de maintenant. Et ça, ça n'a plus de sens quand les bookings euh, enfin, sont finalisés. Ben on dirait que la retourne a retourné. Je te l'avais dit qu'il fallait dupliquer et spécialisés. Alors déjà, on va se calmer Franck Ribéry, parce que quand tu l'as dit, euh, on n'avait pas besoin d'ouvrir euh, des bookings du passé. Mais j'avoue que maintenant tu as raison. C'est-à-dire que là, comme on doit pouvoir expenser en fait euh, nos réservations... Il va falloir s'assurer que dans ce cas-là, les départures ne sont pas dans le. Enfin, on s'en fout qu'ils soient dans le futur. Cependant, on veut toujours ne pas réserver des trains du passé, donc il va falloir faire attention que le booking soit finalisé ou pas. Donc en fait, maintenant, cet invariant va dépendre de l'état du booking, donc on va le remonter sur l'agrégat booking plutôt que de le laisser dans le schedule. Exactement. Donc pour le dire plus simplement, chat 3PO duplique et spécialise schedule de telle manière à ce que euh, dans le cas du booking, on vérifie que les trains sont dans le futur que lorsque le booking n'est pas finalisé. Ce projet repose entièrement sur mes épaules. Et il a changé de tronche là. Bon, c'est probablement inoffensif. Je, je vois qu'il y a des gens qui ont la ref. Euh, <laughs> donc euh, on voit que dans le chart kernel, je n'ai plus schedule, j'ai un schedule dans la search qui est exactement ce qu'on avait avant, ce qui est logique parce qu'on ne veut toujours pas rechercher des trains dans le passé. Et dans le booking, j'ai un schedule, et cette fois-ci, on ne vérifie pas que les départs sont dans le futur. Alors on va vérifier quand même qu'il a bien rajouté l'invariant dans Booking. Effectivement, on a no new departure in the past when new booking. On vérifie soit que c'est finalisé, soit que tous les départs de Space Train sont bien dans le futur. Donc on est pas mal. On va mettre ça en prod aussi pour le fixe. Et puis on va essayer de réexpliquer une énième fois le processus à Tchat 3PO. Donc Chat3PO, tu nous as rajouté une nouvelle tension de modèle que tu n'as pas captée avec euh, les fonctionnalités que tu as rajoutées au préalable. En l'occurrence, celle-là est un petit peu plus dure à voir, parce que c'est une tension de modèle sur les invariants. C'est-à-dire que Schedule n'a pas les mêmes états qui sont acceptables dans le cas de la recherche et dans le cas du booking, puisqu'on a une petite subtilité. Le processus reste le même, on duplique et on spécialise de chaque côté pour avoir un modèle plus adapté. Ça nous laisse avec un petit résidu de chart kernel là. On fait quoi de amount et currency parce qu'on peut pas partir en microservice là? On a dit qu'on n'en faisait pas. Attends. Comme tu peux le voir ici, depuis qu'on a commencé à bosser sur booking, certes, il y a de plus en plus de booking, mais le nombre de recherches évolue beaucoup plus vite. Bon, C'est vrai que nos utilisateurs et utilisatrices ont tendance à faire une dizaine de recherches avant de trouver le spatio qu'ils veulent ou elles réserver. Et euh, comme tu le sais, on n'a pas du tout les mêmes taux d'écriture et de lecture entre les deux, donc on pourrait clairement faire du FinOps ici et économiser pas mal si on avait de runtime séparés. Mais en plus de ça, comme tu peux le voir, on fait surtout des déploiements qui concernent la partie booking depuis un moment on ne touche plus vraiment la search. Ok, c'est vrai, parce que la, la pression en nouvelles fonctionnalités, surtout sur le côté du booking, qui est beaucoup plus neuf. Donc ce que tu m'expliques là, c'est qu'on est plus amené à faire des changes pour le booking, potentiellement casser notre application via un change du booking, le search ne fonctionnera plus alors qu'on ne l'a pas changé du tout. quoi. Donc tu es d'accord avec moi, il nous faut des microservices. Alors, je dirais pas, enfin, en fait, je suis d'accord sur le fait qu'on a, a des raisons métiers pour avoir des services séparés. Avant, je n'utiliserais pas l'alterne de microservice, sinon on va se prendre la tête entre ces 10 ou 20 lignes de code. C'est un débat stupide, tout le monde sait que c'est 50. Mais non. <laughs> Quoi qu'il en soit, tu es d'accord avec moi, il faut qu'on sépare nos runtime. Alors qu'est-ce qu'on fait de amount et currency bah, Je te propose qu'on aille voir dans le code pour voir ce qu'on va en faire. Donc, effectivement, dans notre shotcan résilience, on a amount et currency. Alors, regardons ce qu'il y a dans Amount. Et regarde, là, il y a un truc bizarre, Taxe ratio. Ça, c'est un concept du booking. Ça n'a rien à faire dans le shared kernel de Mantes, là. Non, mais big decimal, c'est une primitive du langage. On n'importe rien du booking, non Alors, je suis d'accord sur le fait qu'on n'importe pas un concept du booking. Cependant, tax ratio, ça reste un élément du langage de la réservation. Donc, c'est toujours de la pollution conceptuelle et puis si tu y réfléchis, tout à l'heure quand tu nous as rajouté times c'était seulement pour le cas du booking donc on pourrait dupliquer specialty amount de telle manière que times n'existe que dans sa version du booking et pas dans celle de la recherche ok c'est pas mal, ça nous laisse juste le currency qu'est-ce qu'on fait de ça alors ici comme on peut le voir, c'est une liste qui est assez simple, au final il n'y a pas de comportement pas de complexité, on ne change pas ça tous les 4 matins, on pourrait faire le compromis de dupliquer exactement de la même manière des deux côtés parce que c'est un risque à prendre et euh, il est très petit quoi oui, puis quand on supprimera l'imperial crédit des deux côtés, on devra survivre avec une seule ligne. Bah Faisons ça, du coup. Alors, il y a peut-être une autre solution. Tu penses à quoi Si on revient à l'état où ch... Eumint de... et Currency sont dans le charte carnel. Et là, je fais cette petite modification. C'est-à-dire qu'au lieu de renouer euh, Tax Ratio en Scalar, je l'ai appelé Scralar, mais ce n'est pas grave. <laughs> bah, alors, au-delà de la faute de frappe, effectivement, tu as réussi à virer la dépendance conceptuelle mais cependant tu l'as dit toi-même Times n'est utilisé que d'un côté, que par booking. Donc si on le laisse là en fait, euh, on utilise un petit peu ça comme une librairie. Alors oui, effectivement, mais de la perspective du montant, avoir des opérations arithmétiques, ça a du sens. On a Times, minus, plus, on aurait pu avoir même divide. Mais ce n'est pas suffisant en fait. Il y a un autre truc aussi que j'ai remarqué, c'est que en fait, amount et currency sont toujours utilisés ensemble. Et des fois ensemble, ils représentent un prix, des fois ensemble, ils représentent une taxe et des fois ensemble, ils représentent une réduction. Je vois où tu veux en venir, en fait, c'est le pattern money. Et là, en l'occurrence, donc ça veut dire qu'on a toujours notre anti-corruption layer, notre ACL, le booking, la recherche, et à la place d'un shard kernel, le money. Exactement. Donc, en fait, il s'avère que notre shard kernel résiduel était un domaine en soi, le domaine money. Et pour savoir quoi en faire, on va faire un context map. Et là, on va se rendre compte que c'est un générique subdomain, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas spécifique à nos besoins. C'est vrai que quand on est une agence de voyage en ligne comme nous, on n'a pas une manière spéciale de représenter des prix. On pourrait dégager cette partie du code, utiliser une librairie sur étagère comme Yoda Money qui fait très bien le taf. Et même si on décide de garder Money en interne, en fait, à partir du moment où c'est plus un de kernel, on risque pas de venir y mettre des choses de booking ou de search et de le polluer. Donc toute la communication passe au travers de notre anti-corruption layer et on est safe. C'était un peu long comme stand-up quand même. Hein. 45 minutes, c'est standard, non bah non, parce qu'on était les deux premiers, ils vont devoir tous et toutes passer pour dire ce qu'ils ont fait hier, ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Ouais, alors je m'en fiche des trois lignes de CSS qui doivent changer, donc euh, on n'est pas venu ici pour s'offrir. Je te propose plutôt qu'on prenne deux minutes pour euh, essayer de résumer un petit peu ce qui vient de se passer. Ah, toi, toi, t'es pas un but de toi-même. Hein. Euh, donc vous avez pu voir que cette discussion a émergé un pattern qui ressemble beaucoup d'une euh, mitose Il faut plisser un petit peu les yeux quand même. Enfin, beaucoup même. Mais ce n'est un modèle, et comme le dit George Box, tous les modèles sont faux, certains sont utiles. Ce n'est pas parce que vous faites du Scrum que vous venez en maillot et en crampon, hein, bien que c'est euh, la mêlée dans le rugby. Ça serait peut-être plus utile, cela dit. <laughs> tu décidé de troller jusqu'au bout, toi. Euh, donc, en fait, pour résumer très rapidement le pattern, et on va euh, finir là-dessus, euh, généralement, quand on commence à développer un soft, il a une responsabilité un MVP. Et cette responsabilité va grossir en complexité au fur et à mesure du temps jusqu'à ce qu'un moment on va rajouter un nouveau comportement qui sera orthogonal avec cette responsabilité initiale. Ce qui va polariser notre modèle existant et créer des tensions de modèle sur les concepts parce qu'on va tenter potentiellement avec la même solution de répondre à deux problèmes comme mon space train là et sa liste de tarifs. Si on laisse ça comme ça, ça va scléroser et c'est ça qui crée les monolithes spaghetti. Pour éviter ça, on va essayer de diviser sur place en deux modèles différenciés, en créant euh, des modules qu'on appelle aussi des proto de contexte, dans lesquels on va euh, répartir les responsabilités. Ce qui va draguer de part et d'autre certains concepts et ce qui va être resté exactement la même chose dans les deux cas est ce qu'on appelle un sharp kernel transitionnel. Transitionnel parce qu'on se doute qu'au fur et à mesure qu'on va avoir nos deux modèles qui vont grandir euh, en complexité et se spécialiser, il y a de fortes chances que euh, notre shard kernel traditionnel réduise un petit peu et qu'on arrive à mieux cibler les, les frontières. Exactement. En fait, c'est la certitude de frontières entre nos domaines. Mais le chart kernel, ce n'est pas un package common. On ne met pas n'importe quoi là-dedans. Déjà, tout ce qui est dedans est forcément métier. Et ensuite, euh, tout ce qui est dans le shard kernel doit avoir exactement la même signification, la même représentation en structure et en type, les mêmes invariants et les mêmes règles métiers. Et ça, ça doit être vrai pour... Ce qui partage en shared kernel. Là, on n'avait que réservation et booking. Si on en a plus, il faut s'assurer de ça à chaque fois. Ce que ça veut dire, c'est que si plusieurs équipes se partagent en shared kernel, on doit complètement coupler notre charge cognitive à celle des autres équipes parce qu'il faudrait que tout le monde soit d'accord avant de venir le modifier. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas partager les, entre les équipes les shared kernel, hein, parce que c'est très, très galère. Donc, une fois qu'on a ces règles, en fait, on va pouvoir s'en servir d'heuristique. Au fur et à mesure qu'on rajoute des comportements, l'implémentation euh, naïve entre guillemets, va nous forcer à changer le shared kernel. Pour venir enfreindre une de ces règles. Ça, c'est une heuristique de tension de modèle. C'est le moment de dupliquer et de spécialiser pour garder deux modèles simples plutôt qu'un seul un peu complexe. Alors, il s'avère que quand on va spécialiser, le concept va peut-être changer de signification. On avait faire dans notre Shark canal, qui est devenu d'un côté faire option et de l'autre côté selected faire. Donc, ça, c'est un processus itératif. On continue d'apporter de la complexité. On continue de voir des nouvelles tensions de modèle apparaître. On duplique, on spécialise. Et ce jusqu'à parfois avoir un share de carnet résiduel parce qu'on ne va pas pouvoir toujours terminer. Alors faut savoir que ce process là peut durer des mois hein. et c'est pas grave parce que là on est sur un monite modulaire on va avoir de la flexibilité, de l'évolutivité sans payer le coût à l'échelle des microservices. Il s'avère parfois qu'on a quand même des vraies raisons de métier de passer en microservices, des raisons autres que j'ai envie de jouer avec Kubernetes. Auquel cas on peut juste dupliquer ce qui nous reste de share de carnet résiduel euh, entre les deux microservices directement. Se seulement si le shard canal n'a pas trop de complexité, sinon on crée un big ball of mud distribué. Hein. Enfin, et que ce n'est pas conceptuellement couplé. Et même si on arrive à avoir deux trucs spécialisés comme ça, euh, ça n'empêche pas de faire un monite modulaire si on n'a pas de raison de business d'avoir des services séparés. Cependant, des fois, notre shard canal a tendance à monter en complexité plutôt qu'à réduire. On va rajouter des concepts et des responsabilités. Ça, c'est le signe que, en fait, c'est un domaine en soi et euh, il va falloir faire un context map pour savoir quoi en faire. En tout cas, merci à tous et à toutes. C'est tout pour nous. Vous allez pouvoir scanner ce QR code pour accéder au repository et aux slides. Et euh, bah, c'était Julien Topsu, je suis tech coach chez et, et Josian Chevalier, qui n'est pas Scrum Master certifié. <laughs> merci.